Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est Edition Chita. Attendez, nouvelle ça qui entre la caillou. Moi, c'est Mette Info, quel que soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal information. Sans force côté à insécurité, c'est lui-même qui toujours, phénomène insécurité, c'est lui-même qui toujours a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Monsieur Jovenel Moïse a mandé secrétaire général OEA, Luis Almagro, avec l'Organisation Nations Unies pour aider le combattre phénomène insécurité avec terroristes. Dans le pays d'Haïti, pendant l'y annoncer, eh bien, l'a fait corps l'armée l'y créer avec la police fait yon sel, eh bien, pour combattre phénomène ça dans le pays d'Haïti. Gagné responsable centre analyse avec recherche dans affaires droit monde dans le pays d'Haïti, mettre Gédéon Jean exiger sanctions pour tout le monde qui te gagné responsabilité pour te planifier opération Village de Dia qui tournait un drame pour policiers yo. Donc li mande funérailles nationales pour policiers yo ak tout yon commission enquête internationale pour mener enquête sous dossier Sila. RNDDH avec FJKL qui c'est deux organisations qui défendent droit moun nan pays d'Haïti mande sanctions démission ou bien révocation. Tout simplement, toute autorité qui te gagne responsabilité pour te planifier opération Village de Dia qui tournait un fiasco pour policiers yo, un massacre qui la cause plusieurs policiers perdent la vie yo dans Village de Dia. Donc yo mandé ben pour que autorité ça yo même yo sanctionné yo. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous retournons tout de suite pour nous bien, commencer avec le développement actualité pour le pays d'Haïti, qui est toujours dominé par l'opération La police a été menée dans le village de Dieu. Nous connaissons qui tournait un fiasco côté, eh bien, c'est un massacre côté au moins gagné 5 policiers qui perdent la vie avec un qui disparaît jusqu'à présent. A gagné moun qui gagne nouvelle délit, eh bien, responsable centre analyse avec droit moun dans le pays d'Haïti, dans affaire droit moun dans le pays d'Haïti, mettre Gédéon Jean exiger sanctions pour tout moun dans haut état-major, la police là, quel que soit niveau li trouvel, eh bien, qui te gagne responsabilité pour te planifier opération Village de Dia et qui tournait yon drame nan kan policye yo. Militant doa moun nan li deklare policye ki tombe nan masak sa nan village de Dia yo dwe jwenn funérailles nationales paske se nan nom pep haïtien avec nan nom l'état haïtien yo tal bataille pou yo te kapab neutraliser gang yo nan village de Dieu. Mais Gédéon Jean a bien mandé une commission enquête internationale pour mener enquête sous dossier SILA, pour faire lumière sous dossier SILA. Nous invitons à écouter Maître Gédéon Jean. Nous avons les policiers qui sont en situation de grande vulnérabilité, d'ailleurs qui attaquent notre honneur, notre réputation, notre dignité, notre notoriété. Eh bien, les policiers ont rejoint nous dans la dynamique comme ça, parce que c'est une bataille, le bien contre le mal. Dans l'opinion, où est-ce que ça a passé? Je dis aux policiers pas d'accord à ce qu'a fait là. Et policiers, ce sont des civils, ce ne sont pas des militaires. Donc il y a des madames, il y a des petites, c'est ça fait. Dans la position que nous prenons, nous sympathisons avec la grande famille de la police haïtienne et nous demandons pour des sanctions qui prennent par rapport à mon qui était monté au préalable. Nous demandons une enquête internationale et nous demandons des funérailles nationales pour ces policiers qui tombent dans la condition que nous connaissons. Toujours dossier insécurité qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, M. Jovenel Moïse, eh bien, qui a une responsabilité pour le fait institution au marché dans le pays d'après la constitution pays et qui, d'après constitution pays tout même constitution ça, qui a un mandat qui finit depuis 7 février 2021, eh bien, monsieur, il profite situation et faiblesse.
vulnérabilité avec gros émotion qui gagnait dans le pays d'Haïti après canage bandit fait sous policier dans la ville dédiée. Ben pour le run, l'armée a été créée opérationnel. Jovenel Moïse fait connaître. Libral fait la mélicria, fait yon sel avec la police là pour yon bataille ensemble et puis pour yon capable joindre bout insécurité dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, Jovenel Moïse, mandé secrétaire général, organisation État américain, yo, Luis Almagro, aide technique pour freiner phénomène insécurité dans le pays d'Haïti. Dans le même sens là, M. Jovenel Moïse mandé organisation Nations Unies aide li tout pour le capable lité contre bandit avec terroristes dans le pays d'Haïti. Office protection citoyen ak citoyen yo OPC nan yon note pour la presse. Limité Deyo déclaré li choqué en pile devant zak assassinat criminel criel bandio nan vilay dédié. Et ben yo fait sous 4 policiers vendredi passé. D'après OPC, événement ça qui portait en pile douleur pour peuple haïtien avec institution la police là, c'est résultat qui sorti nan situation insécurité a k'ap vin pi grave nan pays d'Haïti chaque jour côté gang améo a pa continuer pousser tankou dion office protection citoyen et ben attirer attention autorité yo sou situation ça et puis mande yo pou yo capable agir sans perdre de temps nan situation ça et ben pour peuple haïtien rejoindre mosso sécurité nan pays a. Toujours sous ça qui gagne à ouais avec gros massacre sanglant ça gang armé 5 secondes yo fait sous policier yo eh bien inspection générale la police là IGPNH là li convoqué inspecteur général Karl Henri Boucher avec opérateur qui te gagné responsabilité pour te diriger drone qui te gagné pour mission eh bien bail toute information sous configuration quartier village dédié dans moment opération la police li même li tapral déroulé. Donc dans sens ça IGPNH la convoqué inspecteur général Karl Henri Boucher avec responsable opérateur drone ça mais pour même pour vinn bail explication sous dossier si là. Dossier Vilay Dédié a continué fait parler de li a hier RNDDH nan yon note li te mette de yo mandé révocation ou bien démission directeur général à IPNH la Léon Charles avec inspecteur général Karl Henri Boucher pour responsabilité yo gagnen nan massacre policier yo nan Vilay Dédié. RNDDH fait connaître sous 9 opérations PNH la mené contre gang améo pas gagné yon nan opération sa yo qui te réussi et c'est toujours policier yo qui victime. Donc RNDDH fait connaître parmi 9 missions sa yo gagné 5 opérations qui étaient déroulées nan village de Dieu. Donc c'est policier yo qui toujours victime yo pas jamais arrêté yon nan chef gang yo. RNDDH prend comme exemple dernière opération PNH la li même li mené nan village de Dieu vendredi passé à côté au moins gagné 4 policiers qui mouri sous place et c'est pour raison ça RNDDH mande sanction ben pour tout monde qui responsable nan dossier ça qui était voyé policier yo al mouri nan boucherie si la nan village de Dieu. Après RNDDH journée jodia li même c'est Topa FJKL qui c'est fondation J'éclairé qui déplorait échec opération PNH la 12 mars passé à nan village de Dieu. Opération ça c'est Mac Fabrique yon opération tête mato ça veut dire moun ki pa konnen anyen nan sa y a fè a ça qui passé nan village de Dieu.
moun ki responsable échec ça doit démissionner dans posyo d'après FJKL qui dit c'est avec gros la peine ak demen en tête et bien li apprendre opération mauvaise nouvelle disons li apprendre mauvaise nouvelle ça qui c'est échec intervention plusieurs unités police nationale d'Haïti a fait dans village de Dieu 12 mars 2021 et qui finit dans un fiasco avec massacre plusieurs policiers côté yo profané cadavio donc pendant yo eh bien dérespecté yo et yo publié scène massacre là sur réseau social yo qui c'est une violation droit respect avec dignité moun ensemble avec droit citoyen yo dans affaires numérique dans affaires internet scène ça yo qui choqué tout moun eh bien et société haïtienne nan a toléré yo trop longtemps d'après sa FJKL dénoncé. FJKL précisé ça fait 5e opération PNH la li mené nan village de Dieu et ben sans aucun succès et moun ka wè nan jè au contraire gang amé yo vin pi solide yo senti yo vin pi diam et disons face avec échec sous échec et bien PNH la fait devant yo nan chaque opération yo mené donc FJKL continue pour le dire tout policier connaît. Eh bien principe ça li important en pile eh bien c'est rester vivant c'est quel que soit policier kal nan yon opération li doit rester vivant pour pas mourir nan opération d'après FJKL qui croit opération ça eh bien li pas de gagner aucun plan tactique ni technique donc c'est ça qui fait c'est nan l'abattoir eh bien autorité yo même yo te voye policier ça yo nan village de Dieu FJKL dit donc li pa gagné aucun doute policier sa yo donc qui t'a fait gros sacrifice ça sa, qui bay la vie yo donc li pa gagné aucun doute yo mouri pour pays a et c'est dans exercice fonction yo comme agent fonction publique là et ben qui là pour yo capable kembe la paix l'ordre sécurité publique éviter crime yo blayi nan société a et puis chercher et puis arrêter criminel yo qui représentait danger pour société a nan sens sa d'après FJKL opération an men li te juste li te justifié cependant FJKL condamné exploitation politique opération la police a tap mené et ben l'elle tap gardé comportement et monsieur Jovenel Moïse qui dit lui-même l'elle t'a regardé comportement monsieur Jovenel Moïse qui lui-même t'est en direct sur Facebook dans moment policier eux-mêmes yo t'a mouri en babal bandi dans village de Dieu pendant eh ben gagne l'autre policier eux-mêmes vio t'est toujours en danger monsieur Jovenel Moïse t'a fait opération voyer monter au lieu de sensibiliser autorité pour te porter secours ben baïa la police a quitté en danger dans village de Dieu donc devant échec opération ça FJKL quoi autorité eux-mêmes pas prend disposition pour te eh bien réussi côté yotal mettez la vie policier en danger FJKL dit responsable yo eh ben yo négligent et yo se yon ban coupable sou choix yo te fait et nan mezi avec nan moyen yo te choisi pour te capable mener opération si la FJKL continue pour le dire équilibre entre ça y a cherché avec moyen yo te mette de yo pour te capable joindre résultat et c'est pas ça qui t'est priorité pour moun mais qui t'est décidé dans opération qui disons pour moun qui t'a décidé dans opération ça et qui fait c'est responsable yo même qui gagne responsabilité ça qui rivé dans opération village de Dieu. Dans sens ça,
ben tout le monde qui gagnait et qui était impliqué dans chaîne responsabilité qui était gagné pour voyer policier qui était voyé policier dans l'abattoir village de Dia, et ben yo tout porter responsabilité massacre si là et yo doit démissionner dans poste yo ou bien l'état capable révoquer yo tout simplement. L'État doué, eh bien, et enterré cadavre corps policier yo, eh bien, nan yon tombe côté y a capable rendre yo hommage pour tout monde connaît qui côté yo enterré et FJKL mandé tout pour l'État prend disposition pour prendre famille policier yo en charge, principalement tout petit monde petite avec madame, eh bien policier yo même qui mouri yo qui était derrière. Donc c'est position FJKL par rapport avec gros événement ça qui est arrivé dans village de Dieu côté au moins gagné 5 policiers qui perdit la vie et yon disparaît dans cadre yon opération la police qui raté. L'autre information, plusieurs organisations de base parmi yo Unibase, Entente, Tête Ensemble, Dirpod, Combit, Parlement Populaire, eh bien, yo annoncé là, y a tamé, journée jeudi 18 mars là, kap venir là, yon gros marche pacifique dans Port-au-Prince. Objectif marche ça, c'est relé à bas et contre dictature, à bas insécurité avec injustice dans le pays d'Haïti. Organisation yo ben yo invité tout le monde en général et principalement si la yo qui était victime qui gen moun qui victime dans vague insécurité ça avec tout policier yo même qui sont subi gros échec ça ben pour répondre présent dans journée marche pacifique si la journée 18 mars cap venir. Donc plusieurs non organisateurs eux-mêmes il y a pas de détails sous marche c'est là. Donc nous gagnons premier site nous qui c'est place Boyer, deuxième nom qui c'est Carrefour Résistance Carrefour Aéroport, troisième nom qui c'est Champ de Mars place Constitution et Papa des Salles. Parcours reparti comme ça, c'est place Boyer Auger et puis Nabral d'aide de l'église Saint-Pierre, nous allons devant CPA, nous allons délivrer un message parce que le monde ne nous pas reconnaître de manière claire dans le pays, dans le CPA. Nous allons sortir devant CPA, nous allons descendre le boudon, nous allons faire avenir Martin Luther King pour nous rencontrer exactement avec la deuxième branche qui a sorti Carrefour Aéroport pour nous traverser Bois-Vernant. Et là, nous arrivons à Bois-Vernant, nous allons descendre avenir Mani pour nous passer rue Saint-Honoré pour nous aller exactement devant Coup des Côtes. Pour nous faire qui ça, pour nous dire que nous prenons responsabilité. Parce que cap des malogues, c'est un pays illégal. Ou ensemble de désordres qui fait dans le pays. Donc il faut nous fixer position claire. Et il faut que la population, comme la population paye, il faut qu'ils travaillent pour la population satisfaction. Et ça fait que la population dit qu'il n'y a pas d'élection avec beaucoup de gens, compris ça, mafia ça, qui kempe l'État en otage depuis un mois, 9 jours. Donc dans ce sens, ça. Nous même ensemble deux entités ça qui là nous dit nous prenons le marché et nous continuons à marcher pour nous faire échec à tout le monde ça. Mais monsieur planifié. Yo planifié pour réduire quartier populaire en salle aujourd'hui là. Yo transformer monsieur Damio en lot pour même pas monde qui vivre bon côté. Le gars de la police là, jeune monsieur Damien la police et on regarde groupe monde, groupe jeune qui dans quartier populaire, pas sur même génération, pas sur même tranche d'âge. Et au semblé, pas je sorti dans même entrailles. Malheureusement nous un groupe monde depuis 10 ans qui prend tête pays qui pas gagne rien à ouais avec compétence qui pas gagne rien à ouais avec capacité politique qui pas gagne rien à ouais avec moralité. Au contraire monsieur institué l'immoralité la corruption en notre société après dilapidation 4,8 milliards de dollars et mais je dis c'est dictature après article 74-2 jamais la loi pays a dit là que mandat Jovenel Moïse fini ensemble de raison ça. Nous-mêmes, Unibase, Entente, Tête Ensemble, Dipote, Combit, Parlement Populaire et La Trier, nous mettons d'accord. Jour 18 mars 2021, nous avons marché. Marche a un objectif que nous allons marcher contre dictature et nous allons marcher tout pour injustice contre tout le monde dans la société, spécialement la population haïtienne. Dans ce sens, nous avons invité la population haïtienne, nous avons invité tout le monde qui a été kidnappé. Tout le monde qui était victime dans le kidnapping,
tout le monde qui a décapitalisé dans la société, spécialement les policiers, les familles policiers, que nous voyons sympathie, nous voyons sympathie, nous voyons, nous demandons nous rejoindre dans la bataille. Et nous demandons aux policiers tout. Nous te disons ça. Nous te disons à chaque fois que vous voyez 1000 gouttes, 1500 gouttes, 2000 gouttes pour nous attirer sur la population, lorsque la population prend la rue pour manifester. Contre ça, deux faits qui ne sont pas faits. Et bien, je dis à la même acteur, même pouvoir ça, qui a instrumentalisé nous, c'est même pouvoir ça, je dis à la qui l'a gagné nous. Dégagé à la boucherie. Dans ce sens-là, nous avons dit, policiers, rejoignez-nous 18 mars 2021 dans une manifestation contre dictature, contre l'injustice, sur tout le monde, spécialement eux-mêmes, pour venir marcher avec nous. Parce que jeudi à la, deux gros bagages qui fait. Nous, même au niveau une base, en tant que tête ensemble, 10 potes combinés par non populaires et la trier, nous prenons engagement, nous prenons responsabilité, nous, même gens à tous les outils. Tout autre acteur, tout l'autre, dès qu'a dit outils dans la société, société civile, comme par exemple marché pour la vie, dans l'autre, l'église, d'accord, pour renverser l'autre des choses. Parce que depuis Haïti existe pour que jamais arriver dans le niveau ça. Nous déplorer encore une fois massacre qui fait sur population, sur policiers, week-end qui sont passés là. Nous rendons compte que pouvoir Jovenel Joutenant. Pas jamais suspendre, fait crime, fait massacre en pays. Et nous dit massacre ça, c'est dernier massacre pour pouvoir Jovenel Moïse fait en pays. Et nous déplorons tout pendant le week-end, nous rendons compte que il y a plus passé 7 à 8 policiers qui perdu la vie dans le domaine de sécurité. C'est ça qui fait que nous dit avec la population haïtienne. Vous supposez rester debout chaque jour pour vous défendre, pour vous faire revendication passer. Parce que la constitution haïtienne, qui c'est boussole, qui c'est maman loi pays, lui dit faut que l'État haïtien assure la sécurité de la population. Et lui dit tout pour la population, yo même personnellement, tout autant que droit yo lésé, tout autant que. Ils n'ont pas joué de sécurité, ils n'ont pas joué de santé, ils n'ont pas joué d'éducation. Ils sont supposés défendre les droits comme ça doit. Et c'est l'optique ça qui fait que, je dis, nous remercions la presse qui est présente dans la conférence. Pour nous dire que, avec la population, entité qui a bataille, bon côté, qui a permis la revendication à passer, nous étions solidaires avec eux. Nous étions solidaires avec tout le monde qui est victime dans le pays. Et plus précisément, dernier massacre, pouvoir central là, sous fait là, sous population. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nos campés à édition information ça. C'était Zami ou Frère Met Info qui t'a observé. Nous casser rendez-vous demain, même l'heure, même chaîne. Si papa bon Dieu content, à bientôt.